C'était positif, être un ami, ça a aidé le film à se faire. Quand on avançait avec le projet, on essayait de chercher des partenaires, que ce soit financiers, mais aussi des accompagnements pour le projet. Et on avait fait la Fabrique des cinémas du monde à Cannes, on avait fait Open Door à Locarno, mais toujours on cherchait des partenaires. C'est pour ça qu'on a envoyé notre projet aux ateliers de Namur. Et ce qui nous a permis de participer au festival, mais faire des contacts nécessaires pour le projet. On a participé au Forum de Namur en 2015 avec notre projet La Miséricorde de la Jeanne. J'étais avec mon producteur belge Aurélie Boudinot et aussi Walid Baha, mon producteur français. Et on a pitché le projet et le film est sorti en salle en 2018. Et il a été projeté aussi à Namur. Il y a eu beaucoup de retombées positives. En fait, juste quand on était à Namur, c'est au moment où on a trouvé un distributeur qui a accepté d'accompagner aussi le projet, d'être à nos côtés. Ce qui nous a permis à commencer à décrocher quelques financements. On a réussi à trouver des financements en Belgique et en France. Et le film s'est fait. C'est nécessaire de participer dans ce genre d'atelier, surtout comme le Forum de Namur, parce que c'est un marché là où il y a, que ce soit les producteurs, les vendeurs, les cinéastes, les experts, les consultants, mais aussi des organisations de financement. En fait, c'est bien pour le projet qui soit, pour la visibilité du projet. Et quand on est sélectionné, ça prouve que le projet est bien. Et là, ça t'ouvre des portes de recevoir que ce soit des retours sur le projet, mais aussi de faire des partenariats et des collaborations avec d'autres personnes intéressées à ton projet. Et pour moi, j'incite tous les jeunes, tous les réalisateurs, tous les scénaristes et tout le monde qui ont des projets, d'essayer de participer dans ces Forum de Namur qui pour moi a aidé beaucoup à notre film La Miséricorde de la Jeune.